Salut tout le monde, ici Goody en direct du Maroc où je suis actuellement en vacances. Suite à une virée shopping à la plage Jama El Fna à Marrakech, il était de mon devoir de partager avec vous ma dernière petite trouvaille, les Kilim Boots. Cette jolie et magnifique botte qu'on appelle la Kilim Boots du fait qu'elle est en cuir avec un tissage de tapis qui s'appelle le kilim au Maroc. Pourquoi vous allez les kiffer? Pour tout simplement parce que le kilim, c'est unique. C'est un tissage que les femmes berbères font dans les villages du haut de l'Atlas. Elles sont faites à la main, 100% naturelles entre guillemets, en cuir. Elles ont également des vertus protectrices. On dit au Maroc que les personnes qui portent des kilim boots ont de la chance. Et une kilim boots, ça se porte avec un leggings, un jean, un short, une jupe, une robe, whatever. Vous avez votre style, vous avez vos kilims, vous faites ce que vous voulez, ok? Dernière petite chance, quand vous avez la Kilim Boots, vous êtes une vraie fashionista. Le buzz a démarré en Angleterre grâce à Kate Moss et Cara Delevingne qui les ont portés au Glastonbury Festival près de Londres. Et ça a fait sensation. Il y a juste des petites contraintes qui sont les suivantes. La pointure, essayez de les essayer entre guillemets. Si j'ai un conseil à vous donner, essayez-les parce que le pied marocain est différent du pied européen. Deuxième chose, moi je fais du 39. Prenez du 40, prenez toujours une taille au-dessus. Ensuite, vous avez l'odeur de la biquette, ce qui vous montre que la botte a été faite de manière artisanale avec du vrai cuir Made in Morocco. Pour retirer cette petite odeur, Goody a une petite astuce pour vous. Vous mettez tout simplement du talc parfumé. Perso, j'utilise le talc parfumé White Musk de chez The Body Shop à l'intérieur. Ensuite, sachez que la Kilim Boots a une autre petite contrainte, c'est un peu son prix et sa rareté. Vous la trouvez pas n'importe où. Si vous voulez l'acheter et que vous êtes au Maroc, vous pouvez aller à Marrakech, chez Rachid, place Jama El Fna, il vous les offrira, entre guillemets, moins cher, il vous les vendra moins cher. Ou bien vous allez sur le site de kilboots.com, qui est la première marque à avoir commercialisé ses bottes dans l'Europe, donc c'est une marque néerlandaise. Par contre, attention au prix, elles vont de 180€ à 250€. Ensuite, si vous êtes parisienne comme moi, vous pouvez les acheter chez Georgie, qui a plusieurs boutiques dans Paris. La plus connue est celle rue Vieille du Temple et elle se vend entre 140 à 170€. Pour les petits budgets et celles qui veulent ne pas, entre guillemets, se faire avoir, vous pouvez les acheter sur le site alibaba.com où vous avez un revendeur qui s'appelle Hamza Baman. Il les revend entre 45 à 80€. Par contre, attention, les frais de port ne sont pas compris dedans. Dernier petit conseil, likez mes boots, likez-moi et j'essaierai de vous dénicher d'autres petites merveilles en fashion ou en cosmétique et vous retrouverez tous mes détails, site internet, quoi, adresse email sur ma description et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ciao !